À l'heure où nous tournons ces images, les panneaux sont déjà en place, mais les feux tricolores, pas encore. Si vous avez pris la route ce matin sur la départementale 620, qu'on appelle plus communément la voie verte, vous étiez probablement obligé de vous arrêter face à une circulation alternée. Et pour cause, la réalisation du carrefour giratoire reliant la commune d'Obergelbach à la route départementale avance. Les engins de chantier s'approchent progressivement de la chaussée, les travaux ont été confiés à l'entreprise Cola de Sarreguemines. Une fois la glissière de sécurité retirée, une circulation alternée est mise en place. C'était déjà le cas sur la route adjacente, la RD34 qui relie Obergelbach à Riblin. Ce nouveau carrefour giratoire permettra à la population d'Obergelbach, environ 300 habitants, et les usagers de la RD34 de rejoindre directement la voie verte sans passer par Gros-Réderchin. Un chantier qui fait débat, le nouveau rond-point ralentira la circulation sur cette route déjà limitée à 80 km/h. Selon les comptages réalisés en 2018, la voie verte voit passer plus de 5000 véhicules par jour, dont 8% de poids lourds. La fin des travaux est prévue le 31 août, un chantier financé par le département de la Moselle à hauteur de 480 000 euros.